m'appelle Thibaut, j'ai 16 ans. Je suis dans l'escalade pour une raison que j'aime la nature. Donc l'escalade, le bois, les feuilles, l'air frais, on va dire ça comme ça. Donc je suis un aventurier, on va dire ça comme ça. Allez glu-glu, donne tout ce que t'as. Allez, on n'est pas aidés les gars, c'est dur, mais on y va. Bah, je m'appelle Lucie, j'ai 18 ans. J'ai terminé mes études en aide ménagère. Je viens d'être diplômée cette année et cherche un travail, un job étudiant. Je m'appelle Pascal Gérin, j'ai 16 ans. Le métier que j'aime bien, c'est l'électricité. J'aime bien la nature, dormir dehors, à la belle étoile. Le principe, c'est que vous avez chacun un bidon et le contenu de votre sac à dos, vous allez le mettre dans ce bidon bleu en entier. Il n'a pas de sac de couchage. Donne-moi. Donc ça, ce sera nos lits, hein, et pour le moment, ça va se transformer en plateforme pour le radeau. Okay. D'une cime à l'autre est un projet de réinsertion sociale pour des jeunes qui sont en difficulté, en décrochage social, en difficulté au niveau de l'école, mais aussi de leur vie et des familles. Ce sont des jeunes qui sont placés en institution parce que en situation pas évidente dans leur famille. Et moi, mon boulot, c'est qu'ils puissent vivre des situations où ils peuvent se régaler. Vous voyez, par exemple, là, il est trop à gauche. Il faut que tout soit bien centré, en fait. Allez, allez, débat. On va prendre quoi pour être partout. Doucement. Tu vas voir. Je viendrai te dire si ça... Ah, ça tient pas. C'est normal. On a la chance, on a le vent du sud, là. Donc, avec les voiles, je pense que ça va vraiment bien aller. Les canaux seront à côté de nous. Ils sont quand même un peu chargés. Donc, si à un moment... peut-être qu'on pourrait accrocher les canaux, on va voir comment on fonctionne, on ne sait pas trop dire hein, comment ça va marcher. Allez, c'est parti, ciao, ciao. Super les gars, là on est bien. Hein. Dès que le vent va s'arrêter, on va y aller. Alors le grand rocher qui est devant nous, c'est le plus haut rocher de Belgique. Il fait 110 mètres. Le plus haut là, il s'appelle la Laigne. J'ai envie que par cette expérience de pleine nature dans laquelle je les plonge, ils puissent vivre des expériences positives, qui les remettent un peu en selle et qui leur permettent de se rendre compte que l'autre peut être chouette, l'autre peut être doux, l'autre peut les nourrir tout simplement. Et j'irai pareil avec la nature. Voilà, moi je le vois vraiment tous les jours, les choses très simples de vie sauvage, de vie en étant en relation avec la nature autour est très très riche pour ces jeunes. Ce soir, je vous propose de manger ce qu'on va aller récolter. En plat principal, je propose une omelette. On a quelques œufs et alors on va y ajouter des plantes dedans. Des oignons, des poivrons et puis des orties par exemple. Ah bah regardez, elles sont pas si mal, venez. Si on prend les 6 premières feuilles qui sont là, eh ben elles sont toutes tendres. Pour notre omelette, ça va être super. Alors on met les orties dans le sac de Nathan. Ouais. Allez, c'est parti. Comme ça. Parfait, super Ethan, génial. Non. Vous devez faire tout doucement, vous les prenez délicatement. Vous vous faites pas bousculer, vous faites tout doucement. Aïe, c'est... Ouais.
un petit beurre à l'ail avec donc la plante l'alière, hein, à goûter, déguster en apéro. Alors, chacun va venir avec son pain. Bon. Hop, merci bien. Putain, frère. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble et donc affectivement, je m'investis assez fort parce qu'on commence vraiment à bien se connaître. Quand on se retrouve tous ensemble dans la nature, voilà, c'est magique, je veux dire ça comme ça, c'est magique. C'est comme c'est la petite famille escalade, quoi. Ces jeunes comme tous les jeunes, ont une énergie en eux énorme. Et cette énergie, ben justement, le venir faire de l'escalade, faire du canoë, grimper sur les rochers, randonner, dormir dehors, etc. C'est une manière très positive, en fait, de libérer cette énergie. Donc ils découvrent dans ce contexte des capacités, des compétences qui ne connaissaient pas en eux. Et je peux vous dire qu'en termes d'estime de soi, de confiance en soi, c'est énorme. Ces jeunes, ils ont besoin d'être reconnus parce que dans leur situation de vie quotidienne, ils le sont relativement peu. La moindre petite activité positive, j'essaie de la mettre en lumière, de les valoriser un maximum. C'est tout simple, mais c'est précieux. Cette vie, moi, j'envisage avec plein de rebondissements. Et ça, c'est ce que j'ai envie de faire passer aux gamins. Cet esprit d'aventure aussi, accepter une forme d'incertitude, se faire confiance, se connaître suffisamment pour pouvoir se faire confiance à son intuition, à ce qui vient. Là, je ne suis pas sûr que ça va marcher, mais on y va quand même. Voilà. Les Portal Edge, c'était vraiment ça. J'avais vraiment envie d'envisager ça et je me dis, allez, on y va. Nous sommes actuellement sur des plateformes à environ 100 mètres de haut. On fait apéro. Et actuellement, je suis vraiment en mode panique. Je ne suis pas bien du tout puisque ça bouge. Donc c'est très stressant. Mais avec Samuel et les jeunes qui rigolent autour de moi, la musique qui se met tout doucement, je commence à prendre confiance en la plateforme, en ceux qui sont dessus et je me laisse porter par la détente. Simplement. J'ai vraiment l'impression d'oublier en fait ce qui s'est passé avant. Les problèmes qu'il y a, les tensions qu'il y a, les rires que j'ai eu avant. Je suis en train limite de me perdre avec la nature et la musique qui tourne, c'est tellement agréable en fait. Je suis limite en train de me poser sur un nuage et me laisser porter en fait par le vent tout simplement. Putain, c'était tellement mignon ça. Déclaration au ciel. I love you. J'ai toujours été très bien en nature, toujours été très posée, où je pouvais pouvoir me recentrer sur moi-même, je n'ai jamais vraiment eu peur. En général, la vie du groupe avec l'escalade, c'est vraiment se sentir bien, puisqu'on s'entraide tout le temps. Et moi, en tant que personne maintenant majeure, ben, je me sens vraiment utile dans le sens que j'aide les plus jeunes, je leur apprends ce qu'ils ne connaissent pas. Puisque je suis passée par là où je ne connaissais rien et je suis contente de pouvoir apporter mon aide à ceux qui en ont besoin. Et donc mon but, moi ici, dans la semaine qui a débuté hier, c'est d'aider les plus jeunes et tout simplement faire en sorte qu'ils apprennent à leur rythme, mais qu'ils apprennent. J'aime pas monter sur les plateformes. Merci, au revoir. C'est trop trop bien. Moi, ce que j'essaye, c'est de les tirer, de les emmener dans un territoire qui est inconnu. Alors, comme c'est inconnu, forcément, ça génère parfois des peurs. Alors, bien souvent, avec cet esprit de découverte que les enfants ont tous, c'est souvent du bonheur de découvrir toutes ces nouvelles choses. Mais parfois, voilà, y a aussi du vécu qui est, comme par exemple de la peur, hein, qui doit être géré. Tu y vas tranquillement, tu te concentres sur les prises. Mais je connais pas. Mais personne ne connaît, regarde. Ici, on vient seulement de découvrir ce rocher. Donc personne ici ne l'a déjà fait. Moi non plus, si je devais faire la voie, je ne sais pas. Mais c'est ça qui est chouette à l'escalade, c'est que tu explores, tu vois. Comme quand tu marches sur un sentier, eh ben, tu prends les prises, tu regardes bien celle qui adhère le mieux avec tes mains. Mes mains, elles glissent. Mais non, elles glissent. Eh, elles glissent là. Mets ta main là. Non, mais là, ah, ah ben oui, mais là, il ne faut pas mettre sa main là. Alors si tu te concentres bien, tu es à ça, tu vas arriver à monter sans problème. Voilà, Ethan, c'est très bien. C'est très bien, parfait, tu te débrouilles comme un chef.
Et à mon avis, tu vas avoir des meilleures prises là un peu plus haut. Ouais. Ethan, regarde, tu y es, t'as réussi. Facilement, tranquille. Alors, tu veux continuer ? Un peu. Allez, vas-y. C'est là qu'il faut bien être calé sur le curseur qu'on installe entre je tire les gamins hors de leur zone de confort, je crée cet inconfort qui va permettre à toute une série d'émotions et de sentiments d'émerger. Et c'est sur ces émotions et ces sentiments que les jeunes vont pouvoir s'appuyer, en les exprimant en tout cas et en les assimilant, qu'ils vont pouvoir s'appuyer pour se construire et s'enrichir de ce qu'ils ont vécu. Monter sur des plateformes à 110 mètres de haut, s'installer là, c'était vraiment énorme. J'ai eu très peur, mais je me suis dit non, je ne vais pas laisser le groupe tomber, je ne vais pas retourner en arrière. Non, je vais aller avec eux, c'est prévu comme ça. Et voilà, j'ai pris confiance en moi, je suis remontée sur la plateforme. Et ça, c'était une sensation énorme, ça m'a vraiment marqué et je pense que ça va rester marqué encore pas mal d'années. Ici, par exemple, les jeunes sont en train d'entretenir les rochers de Freyr. On a profité de ces voies pendant tout le séjour. On a profité des sentiers qui nous ont amenés au bord de ces voies. Et donc, bah, nous aussi, on participe et on rend ce qu'on a reçu. Un truc que j'ai vraiment bien aimé, que j'ai jamais fait de ma vie, c'est dormir sur des portalèches et de nettoyer des falaises et de s'assurer soi-même pour descendre. Pour moi, la nature, c'est une remise en question. J'avais pas vraiment confiance en moi ni aux autres. Et ici, il y a deux jours, on était sur la roche. C'est pas la première fois que j'escaladais en nature, quoi, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais ça m'a permis d'avoir encore plus confiance aux autres qu'en moi, quoi. J'ai quand même repris de la confiance en moi et aux autres. Donc maintenant, je sais qu'il ne faut pas s'inquiéter. Voilà. Ici, la veille du retour, je suis soulagé, détendu. J'ai fait de nouvelles découvertes, comme nettoyer les roches, mais ça, je ne le savais pas qu'on pouvait le faire, quoi. Donc, je suis assez étonné de moi et des autres aussi, des autres jeunes. Je suis très content. Un peu triste de repartir de la nature, mais faut bien. C'est la vie.